Salut les filles, l'heure est grave, mes placards débordent de produits à moitié utilisés. Donc aujourd'hui, je me lance un nouveau défi, normalement 10 pannes. Pour autant, vu tout ce que j'ai mis de côté, il va y avoir bien plus de 10 produits, il va falloir que je m'active, histoire de commencer une année sur une base plus nette. Voilà, donc vous allez voir, la boîte est bien remplie. Eh oui, quand même. Et puis, il n'y a pas tout dedans, hein, sinon ça serait trop facile. Donc, j'ai vraiment essayé de faire le tri sur les produits que certains que j'adore d'ailleurs, mais qu'il faut absolument que je termine parce que j'ai le petit nouveau qui attend d'être ouvert pour être utilisé. Et voilà. Donc, me connaissant impatiente comme je suis, je vais finir par ouvrir les petits nouveaux, laisser les anciens et ça va s'entasser dans ma salle de bain. Donc, c'est pas cool. Donc pour commencer, un produit qui devrait être logiquement rapidement terminé et il serait temps puisque je l'ai depuis l'urette. D'ailleurs les délais de péremption doivent être dépassés, oui c'est ça, c'est valable 6 mois normalement. Moi ça fait bien plus longtemps que je l'ai, ça va faire au moins un an et demi. Si ce n'est pas plus, mais c'est un produit que j'ai adoré qui pour autant n'a pas bougé. Il faut absolument que je le termine, j'en suis plus très loin mais il faut que je le termine. C'est un produit, donc l'Occitane, c'est la crème de jour que j'utilise depuis au moins un an et demi, à l'huile essentielle et à l'eau d'angélique bio. Donc c'est une crème qui est géniale, que j'ai déjà présentée, qui est bientôt terminée, donc il faut que je la termine. Celle-ci, on peut dire que c'est un produit motivation au niveau du challenge puisqu'elle va être logiquement assez rapidement terminée. Dans les produits motivation aussi, on a donc un de mes déodorants chouchou. Je l'ai un peu laissé tomber ces derniers temps. Bon, logiquement, on en est sur la fin, mais il faut vraiment que je le termine. Parce que, du coup, j'en ai testé des petits nouveaux. J'ai eu envie de changer un petit peu de routine. Voilà, celui-là, il s'entasse, il prend la poussière. Donc, autant le terminer. Toujours dans les produits rapidement terminés ou terminables, vous avez celui-ci, donc d'ailleurs comme vous voyez il est quasiment terminé, mais bon il en reste encore quelques applications, hein. Le trait est là quand je le penche, quand il est à plat, on est là. Donc vous voyez il reste plus grand chose, mais bon il faut absolument que je le termine, hein. C'est nul en fait de pas terminer ces produits-là. Hop, donc celui-ci fera partie de mon projet, on est déjà sur le troisième produit. Quatrième produit qui lui aussi va être un produit motivation. Celui-ci, donc l'ultra doux à l'huile d'avocat. Pareil, produit motivation avant de pouvoir racheter le petit nouveau. Enfin, le petit nouveau est déjà acheté, hein, très honnêtement, mais pas encore ouvert. Je vais devoir abandonner mon hydratant favori, donc les pailletés à la pomme, hein, que vous avez vu et revu. Il faut absolument que je termine mon beurre. Hydratant à la mangue, donc toujours de chez Body Shop. Il en reste plus des masses, hein, mais pareil, je l'ai abandonné, il faut que je le termine. Donc tant que celui-ci n'est pas terminé, adieu la pomme givrée. Toujours dans les produits à terminer, de toute façon on va parler que de ça, il faut absolument que je termine un démaquillant biphasé de chez Bayerwen, qui date de... Oh, mais il n'y a pas si longtemps que ça, mars, ça va. Vous voyez, il n'en reste pas des masses, pareil, il faut que je le termine. Si je ne prends pas le temps de l'utiliser, je ne le terminerai pas. Donc il faut absolument qu'il soit présent dans la prochaine vidéo produit terminé, que je puisse vous donner mon avis. Hop, toujours sur les démaquillants, celui-ci de chez Nivea, que j'ai depuis... que j'aime beaucoup, que j'utilise d'ailleurs en ce moment, mais il doit en être par là, je pense. Il faut absolument que je m'en débarrasse. Toujours dans les démaquillants... Celui-ci, voilà, que j'ai abandonné au profit de celui-ci. Enfin, voilà, je les alterne. Il faut que j'arrête, hein, d'agir comme ça. Surtout que lui, il lui en reste quand même un petit paquet, hein. Donc, celui-là, ça risque d'être le plus dur à terminer, je pense. Même si c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. Donc, ça sera avec plaisir. Et sur les démaquillants, on a terminé. J'ai sélectionné 3 gels douche, même si techniquement parlant, j'en ai plus que ça d'ouvert, mais je pouvais pas tous les amener, hein, sinon je vais passer pour une grosse tarée. Mais voilà, vous savez que j'aime bien alterner mes gels douche et les utiliser, voilà, au gré de mes envies. Et il faut que je limite un petit peu la caisse et que j'en garde que 3 ouverts en même temps, par exemple. Il va falloir que je me donne des objectifs l'année prochaine de ce style. Donc, au niveau gel douche, on en a 3. Donc, un fa, un palme olive et un de chez Body Shop, donc comme vous voyez tout ça, à peu près à moitié, il faut que je les termine.
c'est une urgence. D'ailleurs, j'ai récemment terminé un gel douche, une première victoire. Mais voilà, hein, il faut que... Parce que mine de rien, ça prend de la place. Enfin, si on regarde... Quand même. Hein, faisons de la place dans mes placards. Dans mes placards, toujours, j'ai retrouvé un shampoing. Donc, un shampoing bio de la marque Bellyflore, que de mémoire, j'avais bien aimé. C'est pour cheveux secs. Voilà, je l'avais bien aimé. Par contre, il a tendance à m'emmêler les cheveux. Alors ça, ça vient peut-être de mes... de mes cheveux, mais ce qui fait que du coup je l'ai abandonné, donc il faut absolument que je m'y remette et que je le termine. Et enfin, les trois derniers produits que j'ai chez l'eau sélectionnés pour ce plan. Ah mon dieu! Donc on a la crème réparatrice 7 jours de chez Scholl que je me remets à utiliser parce que j'ai tendance à avoir les pieds secs l'hiver, donc il faut que je la finisse. Celui-ci a regret, il commence à souffrir, à mourir. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais en acheter un autre. Donc, un autre que je voulais tester, enfin, décidément aujourd'hui, que je voulais tester, donc de chez Essence. Bah, du coup, c'était l'occasion. Puis du coup, je me mets à utiliser l'essence. Et puis celui-ci, je l'abandonne, histoire de bien tester l'essence. Mais du coup, bah, celui-là, il n'est pas fini. Enfin... pas tout à fait, il en reste encore, il faut absolument que je le termine, à regret, parce que c'est vraiment un que j'aime énormément. Et au niveau crème pour les mains, parce que celle-ci, ça va faire un an que je l'ai, donc il serait temps que je l'achève. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, alors que j'adore cette odeur-là, mais du coup, il va falloir que je me la garde à proximité, que je l'utilise tout le temps, hein. il n'y a que ça qui marche. C'est une crème de chez The Face Shop, donc qui se présente... en petit pot, elle est assez connue, hein, celle-ci, je l'aime beaucoup, même si je trouve que l'hydratation est quand même relativement légère. Mais bon, je l'aime bien, pour le soir c'est génial. Donc qui en plus est à la pêche, donc elles sont hyper bonnes, et que j'ai dû utiliser 5 ou 6 fois, quoi. Pas plus, donc il faut que je la termine, avant d'enchaîner sur autre chose. Techniquement parlant, des crèmes pour les mains, j'aurais pu en prendre 4 de plus. Comme pour les gels douche, j'en ai peut-être un millier d'ouverts. C'est mon côté fausse marseillaise. Mais voilà, j'ai choisi celle-ci comme ça, voilà, pour me forcer à l'utiliser. Donc, nous nous retrouvons avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 produits. Quand même, hein. Bah voilà, il y a un petit peu de boulot. On est aujourd'hui donc le 7 décembre. J'aimerais bien avoir un mois. Je me laisse un mois. Donc le 7 décembre aujourd'hui. Je vais commencer demain. Donc le 8 décembre. Attention, c'est précis. Hein. Et donc du coup, je me laisse jusqu'au 8 janvier pour avoir terminé ça. On fera donc un point le 8 janvier. Savoir où j'en suis. J'ai bon espoir. Voilà, si vous êtes... lancez aussi dans un projet pharaonique de ce type, laissez-moi vos vidéos en commentaire ou taguez-moi pour que je puisse aller voir vous, quels sont les défis que vous vous êtes fixés. C'est peut-être un petit peu ambitieux de mon côté, mais bon, certains produits sont quand même bien entamés, donc ça devrait le faire. Et puis, j'aime les défis, donc voilà, je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très rapidement, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut.